هذا اللقاء العلمي ينظم من طرف المجلة المغربية للتدقيق والتنمية التي أنشئت عام 1992 بالذكرى 30 على إنشائها، وهذا المؤتمر يعد النسخة 20، وهو يناقش اليوم وقد نظم من طرف هذه المجلة بمعية المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكمة الشاملة، وكذلك وحدة البحث في الدكتوراه حكمة أفريقيا والشرق الأوسط بمساندة مؤسسة هانس صيدل، وهناك كذلك بعض الشركاء مثل الجمعية المغربية للوجيستيك التي حضرت معنا وقدمت كلمة باسم رئيسها. هذا الملتقى يستهدف البحث في مجال الاقتصاد السياسي وعلاقته بالحكمة والصمود، لأننا نبحث اليوم إلى أي حد يمكن رفع نجاعة أداء العلوم الاقتصادية والاقتصاد السياسي لكي يكون علما له أبعاد جيواقتصادية وجيواستراتيجية ويهتم بالقضايا الكبرى، لأنه لا يخفى عليكم أن هناك أزمة عالمية، وهناك الآن اتجاه نحو ما نسميه بالاقتصاد السياسي الجيوسياسي أكثر، إن الاقتصاد السياسي ولد سياسيا وهو اليوم يعيش أنه يرجع إلى الأصل وهو السياسة. لماذا؟ لأن العالم اليوم ينتقل من البعد الجيواقتصادي إلى الجيوسياسي. Nous sommes présents pour la conférence internationale, 20e conférence internationale concernant l'économie politique, gouvernance et résilience. C'est un sujet fort intéressant, fort utile aujourd'hui, surtout que tous les États ont montré une résilience, ou la plupart ont montré une résilience face à la problématique économique due à la pandémie que le monde a connue aujourd'hui. Donc, pour ma part, l'intervention que j'ai faite, c'est une intervention qui donne l'apport de l'organisation Maroc-Africa pour la culture et le développement, qui est une ONG continentale africaine présente au Maroc, mais avec une trentaine de bureaux dans différents pays en Afrique, et notamment également en dehors de l'Afrique, au Canada. Donc nous sommes en train de parler d'une approche qui est la nôtre concernant justement l'économie politique et la gouvernance, et la résilience, pour notre part, c'est la résilience face à l'assèchement des capacités financières des pays pour gérer et pour utiliser des fonds qui n'ont pas. Donc, nous avons présenté un projet qu'on a appelé IAP, c'est International Audit Platform. C'est une plateforme que nous sommes en train de mettre en place en Afrique à travers un partenariat d'un certain nombre de sociétés multinationales et sociétés marocaines dans le secteur de la télécommunication, pour justement faire l'audit de tout ce qui est entrant en termes de communication dans un pays déterminé, en termes d'image, en termes de parole, en termes de voix, en termes de texte. Et nous apportons cette solution à certains pays, puisqu'elle va être pourvoyeur de financement, puisque nous faisons des conventions avec les États pour pouvoir taxer les appels et les communications entrantes et l'image entrante, et cette taxe qui est payée par les opérateurs internationaux va permettre de finaliser in fine et va permettre de récolter des fonds, et ces fonds-là vont servir à l'OMA pour financer à l'OMA, bien sûr, l'Organisation Maroc-Afrique Culture et Développement, qui est le porteur du projet, pour financer des projets dans les pays déterminés. الأزمة المالية اللي طرحت في 2007-2008 بينات بأنه لو موديل ستاندار سور لوكيل سو بازي ليكونومي إلي تي انكابابل ديكسبليكي دو بريفوار سو كون إي إن تران دو فيفر لي كريز إي تو سا إي دو كو إون إي روفوني سور ليكونومي بوليتيك يعني الاقتصاد السياسي بدات يرجع إن فيت راه فالي بوتيتر Le modèle qu'on a développé jusque-là, sur lequel il y avait un consensus plus ou moins, il est incapable de répondre aux attentes de ce que c'est l'économie aujourd'hui, surtout après la crise. Ça a révélé un petit peu des problèmes très importants.
Et donc on commençait à reparler encore de l'économie politique aujourd'hui depuis 2007 et de l'intérêt d'ailleurs de ce colloque parce qu'il remet devant la scène ce concept, la centralité de l'État, de là jusqu'à dans l'économie, l'économie. C'est un agent macroéconomique qui est indispensable à l'économie. Le réduire, c'est porter une atteinte considérable au marché lui-même. Et donc voilà les enjeux. Il y a la crise qui a révélé l'importance du rôle de l'État. Je fais un Kamlin, que ce soit le Maghreb, le monde entier, que les États interviennent de plus en plus pour ressortir les économies du marasme. Et puis... la résilience, comment redresser l'économie, quel genre de politique économique il faut mettre en place, et quel est le rôle de l'État, la gouvernance. Vous voyez, c'est vraiment des thématiques très très importantes que le colloque met en scène aujourd'hui et durant les 2 jours et qui intéressent le monde entier. C'est pas qu'ici au Maroc en quelque sorte. Et de plus en plus, je crois, les pays en développement et l'Afrique, parce qu'ils sont appelés à mettre en place des politiques et des stratégies pour avoir une croissance inclusive, du développement. On a encore de la pauvreté, il y a encore des inégalités, j'en passe. Voilà globalement un petit peu l'idée de ce colloque. Merci. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.